Ça y est, c'est la fin. Les aventuriers arrivent à destination et ils sont très très proches du codex. Pire encore, ils sont face à leurs ennemis. Maintenant, la question est de savoir si finalement ils vont s'allier à eux pour des questions d'opportunité ou les affronter. Messieurs, c'est le moment des révélations et Bob vous a rejoint au moment de la confrontation avec Enoch et Icar. Bob, quelle est ta réaction suite à ce que tes amis t'ont dit par rapport à ton père qui est là? Quelle est ta première réaction? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui... Mais pourquoi on m'avait pas dit... Bonjour papa, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pour... Tu calmes. Il vient, il pose ses mains dont la gauche ensanglantée sur ton épaule, il te masse légèrement les épaules, il fait « Tu calmes, respire fils. » Respire. On veut seulement apporter un peu plus d'équilibre dans ce monde. Écoute, on est les méchants à la base. Et on veut faire des trucs qui... écoute, on veut dispatcher un peu plus de pouvoir parmi les mortels, histoire que eux aussi puissent s'en enivrer. Tu sais ce que ça Donc fait si je résume ton plan, ton but, là, aujourd'hui, avec... Madame... Icar. Bonjour. Je te présente Icar. Voilà, enchanté, on s'était déjà vu, mais c'est pas grave. Ça va depuis la dernière fois, depuis qu'on vous a attaqué? Enfin, bon, c'est pas assez... Apparemment, mais tout va bien aujourd'hui. Je ne suis pas rancunier. Tout va bien. Bon. Ton but est de donner à tous les habitants du cratère leur capacité d'utiliser... La capacité d'utiliser de la psy en la puisant où? Le titan est un focus, et une fois qu'il sera dans notre réalité, son rayonnement profitera à un maximum de mortels. Et puis les gens le remarqueront à peine. Est-ce que tu as la moindre idée des compétences magiques et des conséquences qu'aurait le fait de puiser la psy d'un titan pour la diffuser à tous les êtres vivants dans un rayon de 500 km à partir d'ici? Sur les... Ah, aidez-moi les autres. Surtout que c'est docile un titan, je pense qu'il aurait très envie de se faire téter la psyché comme ça. Ah oui, oui, tellement docile. Merci Chine. Tellement docile qu'il a essayé de nous bouffer sur la route. On va juste dire que c'est hors de question et qu'on vous le laissera pas faire. Et puis depuis quand vous êtes canon vous comme personnage? Depuis le live de la saison 1. Voilà, mais disponible sur le bazar du grenier. Exactement. Mais damn mais... you. Et quelque part ça a l'air beaucoup trop altruiste pour toi, je vais être sincère. C'est quoi ton vrai but? Je sais que toi tu te nourris sur le chaos, mais Icar. C'est pas du tout altruiste en plus. C'est pour schématiser, c'est comme si on donnait une arme à tous les gens sur Terre en se disant que ça va être génial et que ça va faire la paix. Non, Je suis pas d'accord. La magie est plus qu'une arme. La connexion mentale est là pour le prouver. Ton soin aussi, c'est un outil très intéressant. Le fait que tout le monde y ait accès n'est pas une mauvaise idée en soi. Il est hors de question de donner les capacités d'avoir de la puissance à tous les gens. Ça va créer des révoltes, ça va créer des rébellions dans toutes les villes, ça va Icar donner du pouvoir à des gens qui ne le méritent pas. Icar te répond directement. Je comprends votre appréhension. Moi, ce que je vous proposerais, j'en ai discuté justement avec Lord Enoch. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est en supprimant toutes les églises et leurs influences, parce qu'elles ne serviront plus à grand-chose, c'est de garder l'église de la lumière au-dessus de tout cela pour maintenir l'ordre. En supprimant toutes les églises, tu gardes l'église de la lumière. Y a pas une dichotomie dans ton discours? Non, non, ils ont un agenda. Théo, je suis désolé. J'ai très envie de le croire, mais j'y crois pas. Théo, personnellement, je suis saucé, pour l'idée... Je vais tuer tout le monde, mais toi, je te promets que je te tue pas. C'est surtout très attrayant, très sexy, le fait de faire disparaître toutes les églises. C'est quand toujours même un petit peu maintenu mes promesses, Inquisiteur. Et si vous nous rejoignez, l'église de lumière sera le pilier de l'ordre dans le cratère. Ah, vous pas l'anneau. Objection. Alors, si objection, vous tenez vos promesses comme vous êtes un très bon père, je pense que ça va être... Ah non, moi j'ai rien promis, moi, c'est, là-dessus. C'est Icar qui a promis. Objection, Icar. Si vous travaillez avec mon père... Elle a le même boucle, les mêmes lunettes, je reconnais pas. Oui. Si vous travaillez avec mon père, peut-être que vous tenez vos promesses, mais je suis sûr que vous tiendrez vos sous-entendus derrière, et vous avez obligatoirement un agenda derrière. Peut-être pas vous, peut-être, si vous êtes honnête. Mais lui, je sais qu'il en a un, hein, toi, hein, maman de passe bonjour d'ailleurs. Dis monsieur Enoch, là, votre nouvel ami, il est d'accord avec ça, le fait de garder l'église de la lumière? Il est là que pour le chaos, lui, il s'en fout. Non, mais il est bien conscient que l'église de la lumière...
Il est bien conscient que l'église de la lumière ne sert pas à la lumière, mais n'est qu'un agent du chaos et pas de l'ordre. C'est une évidence quand tu regardes le monde. Et Théo, t'as un mot à dire là-dessus? Bah, va te faire foutre. Ah bah, je suis désolé, mon grand, hein. Mais faut voir la réalité en face au bout d'un moment. Ça, c'est un élémentaire de lumière. Tu vois la merde qu'elle veut foutre? Oui, mais c'est qu'un élémentaire de lumière, c'est pas mon élémentaire de lumière, c'est... Oh, mon élémentaire de lumière, c'est trop plus vrai que le tien, franchement. Not in my name, hashtag, excuse-moi. Je vois pas en quoi c'est un argument dire « je tiens toujours mes promesses » de quelqu'un qu'on a rencontré une fois dans notre vie. Moi aussi, je vais rencontrer un gars dans la rue, je lui dis « fais-moi confiance, je tiens toujours mes promesses ». C'est ça. Je pense que ça va... Ben, Icar, voilà. Tu vois, très bien. Comme quoi, de poids, de mesure. Ça, c'est vrai que ça serait vrai à 100% et j'y penserais, mais là c'est difficile d'y croire. Non, juste une, pour qu'on soit fixé, Grunlec, qu'est-ce que t'en penses? Le fait que tout le monde puisse avoir accès à sa psy. Ça, j'aime bien. Dans l'idée, s'il respectait ce qu'il disait, bon, l'église de la lumière au-dessus, ça me plaît pas spécialement. La disparition de toutes les églises me plaît beaucoup plus déjà. Surtout mais en regardant celle-là problème, particulièrement. Le problème, c'est que dans l'idée, si tout se passait bien, ce serait quelque chose où je serais pour. Mais là, le quotient risque, qu'il ne nous parle pas de quelque chose, qu'il a un agenda à côté, le titan, tout ce qu'il y a, on ne peut pas se permettre de laisser ça passer. C'est pour ça, donc moi, je vous laisse avoir votre petite conversation dans votre coin, mais je regarde un petit peu partout s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pendant que leur attention est détournée. Très intéressant. Voilà. Écoute, en plus, vous êtes en retrait, Grunlec et Shin. Fais-moi un test d'observation. J'ai un peu hurlé, moi, pour... Montrer mon mécontentement. Attends, j'ai gueulé aussi. Révolte, on en a gros. Ouais, voilà. C'est ça, moi, c'est juste ça. Pour mettre les choses au point. Un test de physique. Un test de physique, très bien. Mais absolument, plus technologie. Plus technologie physique, absolument. Plus technologie. C'est une conscience, en fait, de la matière autour de toi et de comment est-ce qu'elle fonctionne de très ton environnement. Un test à 80%, si tu as un focus, mets ton bonus de focus. 13. Toujours propre, ce Grunlec. Fais-moi un test, toi aussi, Shin, vu que t'es en retrait à côté de Grunlec. Fais-moi un test de physique également, plus vie en nature. Et plus... Oui, ça ne passe pas du tout. 94, la nature, elle rentre chez elle. Elle s'est roulée dessus par un bulldozer. Voilà. Tu vois que spontanément, il y a un McDonald's qui se construit à côté de toi. La nature est sacrifiée. Oh, c'est beau. Quelle est cette structure? Mon nouveau dieu. Alors, je vais donner des éléments, peut-être vrais, peut-être faux, à Shin, étant donné qu'il a fait un échec et que... Techniquement, en metagame, Shin ne peut pas se dire « Ah, j'ai fait un échec, ce que j'ai remarqué est faux, ou ce que je n'ai pas remarqué. » Donc, vous avez tous retiré votre casque, et Shin, tu gardes ton casque, s'il te plaît. Tu as des doutes sur ton environnement. Ton environnement est changeant, surtout, tu as l'impression que il va être amené à évoluer plus que tu ne l'imagines. Ton environnement n'est pas naturel. Tu es sous le coup du stress... Et tu commences à avoir presque des illusions d'optique autour de toi, un peu comme s'il y avait une diffraction due à la chaleur, tu vois, dans un désert. D'accord. Ça te met vraiment un coup ça de... Ça peut être vrai, comme ça ne peut pas être vrai. 94. Très bien. Vous faites tous remettre les casques. Et Grunlec, qui a réussi son test, donc retirez tous les casques maintenant, je suis désolé. Grunlec, tu remarques en face de toi, par ici... Il y a donc un pilier qui fait à peu près 2 mètres. Et tout autour, il y a une sorte de réverbération, de diffraction, de la lumière, c'est capté. Chaque éclat renvoie une lumière un peu tordue, en biais, un peu comme un effet de chaleur dans le désert où tu as l'impression que le ciel se reflète sur le sol où justement il y a une illusion d'optique. La lumière est employée à des fins, mais... pas naturel, la lumière est employée par quelqu'un, probablement par Icar, qui capte toutes les énergies liées à la lumière dans l'environnement. Il y a quelque chose au sommet de ce pilier, quelque chose qui n'est visiblement pas là, car caché par l'influence de la lumière. Alors je voudrais juste approcher mon bras du pilier pour savoir si je ressens quelque chose au niveau de mon bras. Tu as ton bras qui vibre pendant une demi-seconde de manière ultra flippée. Tu en perds le contrôle pendant une demi-seconde, tu refermes ton poing, tu te concentres. Très puissante énergie est à l'œuvre ici. On va remettre les casques. Messieurs,
Au cours de l'échange, Grunleck s'est rapproché du pilier. Je t'invite, Grunleck, à déplacer ton personnage vers le pilier, justement. Quel pilier, ce pilier ? Lequel ? Une fois que j'ai touché le pilier, je vais me retourner vers Shin et lui faire des petits signes pour qu'il regarde au-dessus du pilier, vers le haut. Il y a un homme du pilier dans le pilier, t'sais. Je vais essayer de me placer volontairement. Alors attends, j'ai mon téléphone pour pas être dans l'angle de vue de ni d'Enoch ni d'Icar au moment où je fais les signes à Chine. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Grunleck? Parce qu'il se passe des choses ici. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, on n'est pas censé savoir. En plus, on n'a plus la connexion mentale. Je rappelle. Absolument. Donc, il y a Enoch qui pose les mains sur ton épaule et qui dit: écoute, fils, même si nous avons l'éternité devant nous, il faut se dire que nous avons ici l'opportunité, grâce à ce qu'avaient entrepris les intendants, grâce à l'échec de Vladimir Hannibal, grâce à ce que vous avez entrepris, de pouvoir mettre un peu plus d'ordre ou de pouvoir faire un cratère un peu plus à notre image, quelque chose de plus équilibré. Écoute, je sais qu'on a des histoires de famille un peu compliquées, mais... Excuse-moi, je voulais pas me nettoyer ma main sur ton épaule. Mama, c'est rien. J'ai l'habitude du sang sur moi. Et maman m'a suffisamment bien éduqué pour me permettre de boire au-delà. Bob, en parlant de maman, il faut absolument que je te présente quelqu'un. C'est ta nouvelle belle-mère. Elle est extraordinaire. Tu crois que c'est vraiment le moment de faire ça? C'est pas grave. Se retourne. Pour en revenir sur le sujet. Je t'écoute. Pour en revenir sur le sujet est important. Je crois comprendre et savoir, j'ai eu la révélation il y a quelques instants, pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que tu es un agent du chaos, donc c'est une certitude, tu veux mettre le merdier. Et comme le dit Théo, même si je suis pas d'accord avec lui, le fait de donner cette puissance à tout le monde et à n'importe qui mettrait le chaos d'une manière certaine et sûre. Mais non, je crois avoir compris, et le fait que tu viens de préciser que vous étiez avec les intendants et que vous étiez contre cet homme de la saison 1, je ne sais plus son nom. Les intendants... Les intendants ont juste pas connaissance ils ont mis le doigt dans une machine qu'ils ont pas maîtrisée, c'est tout. Ce sont des nazes. Vous vous servez d'eux pour une raison simple. C'est parce que je te connais, je sais comment tu fonctionnes. Et Icar aussi, c'est le même fonctionnement. Vous vous nourrissez de psy. Mais plus insidieux que ça, vous nourrissez de la psy des gens. Et vous êtes en train de vous rendre compte que la magie est en train de quitter ce monde, petit à petit. Le méchant de la saison 1 l'avait bien compris, ça. Il avait compris ce que vous essayez de faire. Il comprenait votre stratagème. C'est pour ça qu'il avait tenté de supprimer la psy en utilisant le lien. C'est parce qu'en fait, en utilisant la psy du titan pour la donner à tous les gens du cratère... C'était Vladimir. Vous voulez pas donner de l'équité ou de l'égalité aux gens. Vous voulez pas libérer leur potentiel ou quoi que ce soit. Non. Vous voulez vous créer un garde-manger illimité, alors que la magie est en train de quitter ce monde. Vous êtes en train de nous baiser. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, ton vrai plan derrière tout ça. Vladimir, il était plutôt sympa, en fait, du coup. Oui, mais on l'ignorait. Et de plus, quelque part, supprimer toute la magie n'est pas non plus la solution, comme la donner à n'importe qui. Un avantage pour vous deux. Bah, pourquoi? Merci. Moi, j'ai rien fait. Ok, si tu veux. Tu as une réflexion, vous avez tous les deux réflexion. Et c'est pas une question de savoir si Vladimir était gentil ou méchant, pas du tout. Il avait sa conviction et il a essayé de l'imposer à tout le monde. Son erreur, par contre, c'est que... Oui, il voulait désarmer le monde, ce qui est pas... C'est pas désarmer. La magie est un outil. Elle peut servir d'arme comme elle peut servir pour le bien et pour tout le reste. Le truc, c'est que entièrement la supprimer ou la donner à tout le monde irresponsablement, de manière à ce qu'elle soit utilisée de manière irresponsable par n'importe qui, est à la fois une erreur. Tu donnes pas des armes à tout le monde comme tu ne retires pas les armes à la police, tu vois, ça fait pas de sens. Donc il s'approche, par là, vous voyez qu'il y a le reste d'un corps étendu au sol, qui gigote un peu, donc qu'il y a quelques spasmes, mais ces spasmes ne sont pas dus au corps lui-même, apparemment quelqu'un le manipule. Et c'est ma belle-mère. Et donc il se penche vers les buissons, il fait « Poussin, tu viens ?» Et vous voyez donc un mouvement... Une tête avec, on dirait, des cornes qui se viennent de derrière le crâne et qui montent de manière assez volute. Un visage féminin très fin, assez séduisant. Des yeux profondément écarlates. Une peau légèrement sombre. Ouais, un charme vraiment insidieux. Et donc, Arcana se lève. Et vient vers Enoch.
Arcana. 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 La lancière du qui protégeait Bragg. Tout se recoupe. Et donc c'est bel et bien ma nouvelle belle-mère. Hein bon, il a bien moi, fallu que je fasse quelque chose après ce que tu en as fait, Bob. Où est-ce qu'elle est morte, elle, déjà dans Elle est morte à la fin de la saison 2. Quand Victor est mort. Quand Victor est mort, absolument, sous, les, sous l'assaut en fait, apocalyptique de ce que Bob a déclenché, Grunlake a protégé. En fait. On n'était pas sûr à l'époque. Pareil, Bragg, on ne sait pas où il est. Et je vais être sincère, Bragg, Bragg il est à côté avec du popcorn. Oh mon dieu, c'est incroyable! Je suis en train de mourir! Oui, voilà, je suis en train de mourir, c'est important ça. C'est un élément très très important. Sauvez-moi! Le PNJ qui me le pète. Mais seulement quand on le regarde. Longtemps. C'était une victime collatérale et j'en ai aucun remords. C'est comme là, du coup, c'est comme la petite fille, encore une fois, elle est peut-être vivante. Non, non, parce que elle, je reconnais. Parce qu'à la différence de toi, c'est que elle, je reconnais qu'effectivement, je suis la cause directe de sa mort. Enfin, sa mort. Ça a l'air d'être relatif. Si je pouvais, je te donnerais un deuxième avantage. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que sa mort, finalement, j'ai pas à m'en sortir coupable parce que c'est relatif, elle est là. Et apparemment, on perd la saute. Alors, très bien, après ce blanc. Je me retourne vers Icar, est-ce que Icar voudrait pas nous présenter sa petite sœur, du coup? peut-être qu'elle peut faire revenir. Non. Mais quelque part, Bayard, juste pour la confirmer, lorsque j'ai dit mon plan à Enoch et que j'ai gagné un avantage ou quoi que ce soit, quelle a été sa réaction? Est-ce que c'est la réaction du sourire parce qu'il m'a trompé ou la réaction du sourire parce que j'ai compris ce qu'il voulait faire mais que je pourrais pas l'empêcher? Voilà. Ouais. Bien ce que je pensais. Donc, du coup, vous, y a Arcana donc, qui s'approche, donc délicieuse succube que voilà, qui ne peut pas s'empêcher de générer chez vous quelques légères bouffées de chaleur. Arcana donc s'avance, elle est tenue du bout des doigts par Enoch, qui se retourne vers toi, Bob, et il fronce ses sourcils d'un seul coup. Son regard se fige dans celui d'Icar, et il dit « Où est le nain ?» Donc, pendant ce temps-là, le nain qui est caché derrière le pilier, et avec Shin, donc, qu'est-ce que tu dis pendant ce temps-là, pendant qu'il concluait sur tous les événements? Alors Moi, j'ai regardé partout parce que j'avais la sensation qu'une menace était proche, mais j'arrivais pas à identifier la source. Mais en même temps, je suis intrigué par ce que fait Grunlake, donc je me rapproche de lui. Après, t'as raté ton jet, donc t'as pas réussi à voir quelque chose. Mais par contre, oui, c'est pour ça que je regarde dans tous les sens en fait. Mais ça doit pas t'empêcher de voir moi ce que je te dis de voir. Donc, Non, mais c'est pour ça, je suis quand même. Mais t'as juste raté à voir de toi-même. Oui, c'est ça. Mais là, je suis intrigué. Le fait que je t'ai vu te déplacer, aller vers le pilier, donc là, j'ai envie de te demander. Je fais Grunlake, qu'est-ce que tu Donc, je vous laisse une minute ou De qu'est-ce que vous faites pendant que Théo et Bob mobilisent l'attention d'Icar et d'Enoch dans la scène voisine. En fait, ils font tomber le pilier sur Icar, en fait. Genre c'est Tiny Toon. Icar se retourne en faisant mort nul. Non. Le plan du coyote. Le poteau téléphonique, tu sais. C'est le blueprint du coyote. C'est ça. Mais ça fait comme dans les cartoons, elle se fait enfoncer, mais petit parti, c'est... Alors, Grunlake, Shin, dites-moi ce que vous faites penser. Première chose, Shin, je le dis tout doucement, approche ta main du pilier et dis-moi ce que tu ressens. Oh. Shin, je vais te dire exactement ce que j'ai dit à Grunlake, c'est-à-dire qu'au moment où tu mets la main dessus, tu as ta main qui très naturellement génère de l'eau et du cristal en fait, autour de tes doigts, et comme si tu avais une légère perte de contrôle due à l'afflux de puissance qui sévissait dans le pilier, ou alors tu lèves les yeux, indiqué par Grunlake, il y a un étrange effet de distorsion au-dessus du pilier. Et tu te dis que ça vient peut-être de là. Alors moi, Théo, j'aime bien le truc que, en fait, il nous fait même pas enlever les casques, parce que comme ils font ça durant notre conversation, ça veut dire qu'ils ont fait une telle connerie au moment où notre conversation se finit, tu vois, qu'on peut même nous l'écouter, parce que ça change rien. Là, on fait des tests comme des débiles, ça fait ça, c'est rigolo. Non, normalement, on est un peu discret, des trucs là. De fou. Non, on est discret, ouais. Mais, d'accord. Mais non, mais la hauteur du pilier, c'est quoi? C'est 2 mètres. Hauteur d'homme, 2 mètres. À peu près. Je te fais la courte échelle. Non, mais non, 2 mètres, c'est hauteur...
2 mètres, c'est autant d'or si tu lèves le bras, ça va aller. Ouais, pas mal pour toi, 2 mètres, c'est haut. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu sens que, Grunlaikshin, vous sentez que vous êtes en dehors du champ de vision des autres, notamment de vos antagonistes, depuis peut-être un peu trop longtemps et que vous allez peut-être perdre cet effet de surprise. Réfléchis pas, Shin, prends ce qu'il y a sur le dessus du pilier. Et je lui fais la continue la de pas réfléchir, Shin, et regarde qu'il y a au-dessus. Quelque chose au-dessus du pilier, moi je pensais que c'était une espèce de catalyseur. Il y a quelque chose qui est caché au-dessus du pilier. Donc tout ça, je le dis doucement, mais réfléchis pas, vas-y. D'accord, ok. Bon. T'as pas besoin de lui faire la courte échelle, hein. En théorie, c'est l'air de marcher. 2 mètres, il peut voir. Bah, 2 mètres, c'est pas facile quand même. 2 mètres pour choper ce qu'il y a au-dessus. On sait pas s'il y a, il y a une petite illusion, on sait pas vraiment ce qu'il y a, tout ça. Donc ça lui permet de lui donner un mouvement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il se sert de toi comme marchepied, tout va bien. T'as juste à mettre tes bras comme ça. Pas d'offense, hein. Je respecte les nœuds, y a pas de problème, mais. Très bien. Mais voilà, juste avec ton bras métallique, tac tac, tu me surélèves vite fait et hop. Parfait. L'ascenseur, t'es du. Est-ce qu'il y a d'autres piliers par contre dans les parages? Petit coup d'œil rapidement. Non, il y a tout autour de toi. Vous êtes dans des vestiges de ruines, donc tu vois, il y a des sortes de marches tout autour ici, mais un peu recouvert de sable et de terre tout autour de vous, un peu comme si ça faisait un arc. Donc c'est des vestiges ici. Quand tu arrives au-dessus du pilier, tu poses tes mains, ta main passe à travers une sorte de matière invisible, comme si tu as la même sensation que quand tu passes tes mains dans l'eau, c'est-à-dire que tu sais que tu changes de matière, mais tu as tes mouvements qui sont encore là. C'est juste que ça te fait extrêmement frémir de terreur, tellement il y a de puissance. Ah, de oui. C'est Fort Boyard, tu sais où tu mets la main dans les trucs, en fait. Prépare-toi, c'est des spaghettis. Si on a les codex, tu cours. Tu cours. Et ce qu'il y a, c'est que indiqué par Grunlaik, tu vois qu'il y a une. Tu vois, tu tournes un peu la tête légèrement. Ouais, on dirait une silhouette de grand grimoire qui est ouvert et qui flotte en fait. C'est seulement en tournant la tête, tu sais, avec cet effet de dilution d'optique. D'accord. Un peu comme s'il y avait du cristal transparent. D'accord, c'est comme les images 3D que tu tournes la tête, tu les vois différemment selon que t'inclines. D'accord. Est-ce que je peux un peu identifier, essayer de trianguler la position pour essayer d'atteindre? Non, mais là, faut aller vite. Là, le but, c'est que tu le fasses tomber ou n'importe quoi. Ou que ah, bah oui, c'est ce que voilà, là, c'est une action de la vitesse ultime. C'est ça. Et est-ce que j'en ai les moyens, justement, de l'atteindre? Pour ne serait-ce que le tapoter en arrière. Par contre, tu remarques une chose. Tu remarques une chose, je vais te demander un test ultime d'observation qui sera assez décisif. Si tu loupes ce test, si tu fais un 94, ça sera peut-être, l'influence, un grand levier sur la fin de saison et peut-être que vous échouerez. Alors, pourquoi sur mes épaules? C'est ton fanté ça. Pour l'instant, c'est toi qui es sur mes épaules. Ça, bro. Donc. Alors là, il faut savoir que Grunlaik porte littéralement le monde sur ses épaules. C'est ça. Ça. Alors, allez, le 99. Allez, tu génères de. Allez, alors, attends. Est-ce que tu veux utiliser un dé d'aventure? Non, Vanilla. Pas besoin. Mes aventures. C'est que le monde. C'est que le monde à sauver. Je te prête. Si alors, juste, je te dis, si tu utilises pas un dé d'aventure, j'utilise un dé de mes aventures. Tu connais déjà ma réponse. Du coup, oui, pour le dé de mes aventures. Oui. Quoi, tu utilises un dé d'aventure? Il y a le sel quand même, tu vois. Alors, on est à combien? On est à combien de dé d'aventure, mes aventures là? On est à 2-2. On était à 2-2 à la fin. Donc, on sera à 2-2. Quoi qu'il advienne. Allez, vas-y. Non, il passe. Ça va passer, ça va être formidable. S'il y a des mouvements, il y a une extrémiste. Donc là, il y a quoi? Il y a un dé d'aventure et un dé de mes aventures, c'est ça? Il y a les deux? Non. Attends, tu peux pas jouer mes aventures et aventures en même temps. Tu peux pas utiliser les deux. Donc, je te dis juste que si tu l'utilises pas. Et empêcher le dé de mes aventures, mais tu peux pas. On aura un dé d'aventure en plus pour la fin, ouais. Je sais pas. Ouais, allez, prends le risque. Utilise un dé de mes aventures, vas-y. Sans dé d'aventure. Et c'est bon, ça passe, in extremis, et même ça passe large. C'est bon, ton dé de mes aventures. Dans les dents. 22 et. Et in extremis, c'est pour Maya. C'est in extremis, mais. Donc c'est bon, ça fait 17. C'est bon, on a 3 dés d'aventure maintenant et t'as réussi ton test. C'est parfait. C'est un dé de mes aventures que tu as utilisé, c'est ça? Ouais. Très bien. Donc ça vous fait 3 dés d'aventure. Ah non, in extremis, ça fait 27. Peu importe. 27, très honnête. Dans tous les cas, tu as réussi ton test et ce que tu remarques, c'est. Est-ce que vous pouvez retirer vos casques, les autres? Shin, tu remarques que cette diffraction, cette lumière, cette illusion
puise sa force dans Icar même, et que c'est non seulement sa présence, mais sa puissance qui génère l'illusion autour de ce qui te semble en effet être le codex, et que le codex est complètement immatériel, est en train de puiser sa puissance à l'intérieur par rapport au titan et par rapport au grand projet de ce final, mais que tout repose, vérité, sur Icar, qui est dos à toi. D'accord, donc c'est Icar qui crée la connexion, qui camoufle Icar qui le crée codex l'illusion, qui cache le codex. Qui cache le codex, mais en même temps... D'accord. Et le codex qui permet de faire venir le titan ici. Ok. J'ai vu une connexion de fluide d'énergie. Enfin, absolument. Icar est dos à toi. Alors là, je vais faire un carton. Je suis désolé. Peut-être pas faire un headshot. De toute façon, je pourrais pas défoncer un élémentaire de lumière. Mais au moins, déjà, lui brouiller la connexion pour créer une rupture et puis qu'on récupère les codex. Donc je le shoot directement. Ok. Est-ce que okay. La glace, enfin je veux dire, est-ce que la lumière, un élément de lumière est tangible et peut se prendre des dégâts de bien glace sûr. Ou est-ce bien que je génère une flèche suffisamment absolument. D'accord, très bien. Très bien. C'est quoi, c'est de nouveau un jet pour sauver le monde? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que je vais faire? Les doigts comme ça, voilà. Alors, il a mangé le codex. Chine. Ah bah je préviens pas les autres. Je brandis mon arc, je commence à générer une flèche de glace et je vise Icar pour lui éclater sa tronche. Et tel Icar, il va perdre ses ailes et tomber, s'écraser, tel un dieu déchu. Et là, je fais mon jet et schlack. C'est beau. C'est parti. Est-ce que tu utilises un dé d'aventure ou pas pour ça? Ah non, trop tard, 64, ça passe. Quoi, je pense. Ah, ça passe, c'est juste quand même. Enfin, c'est juste. Quand t'es en train de parler, espèce de malpoli. Non mais justement il fallait interrompre, là c'est climax final, c'est non, tension. Surtout que si on suit la logique de Maillard, au moment où il fait une action qui nous n'est pas rentrée dans notre canon, c'est-à-dire au moment où je viens de leur mettre la révélation en face qu'il voulait faire ça juste pour avoir un garde-manger de la taille du cratère, il va se retourner, sourire, nous montrer la jolie damoiselle, et là la flèche part. Il était en train de présenter ta belle-mère avec son invité, et t'arrives, tu mets une flèche dans la tête, c'est quoi ces conneries? Belle-mère, c'est ma belle-mère peut-être. C'est ma belle-mère peut-être, mais il y a un membre de mon équipe qui est passé dessus. Les éléments d'Arnaud, c'est vrai. C'est vrai, la racaille de loin, tu vois, vas-y. Grenmec a entendu, hein. c'est peut-être ma belle-mère, mais j'ai déjà un membre de mon équipe qui est passé dessus. Hein. Et le connaissant, il a fait 3 gosses avec. Hein. Il en sème partout, ce type. Hein. Il est en train de tirer sur l'autre aussi. J'ai même pas eu le temps de prévenir Grenmec en plus, hein. Il m'a juste donc, vu monter. Techniquement, les enfants de Chine, certains sont presque tes beaux-frères et belles-sœurs. Chine. Oh merde. Ça va finir entre consanguin, ça va être dégueulasse. Tu as des petits débiles dans le messieurs, tas. Messieurs, on descend de quelques degrés, je décris la scène. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Alors que vous êtes en pleine intensité de discussion et de révélation et que les boucles sont bouclées ici et là, fronce les sourcils, Enoch, et où est le nain? Où est le demi-élémentaire? Il écarquille les yeux en regardant au-dessus du pilier. Par-dessus ton épaule, Bob, et par-dessus le tien, Théo. Et à ce moment-là, il y a Shin qui brandit son arc, qui cristallise sa psy, qui produit une flèche de glace, et qui dit « Tel Icar, tu as perdu tes ailes et tu vas t'échouer, t'es un mortel sur Terre !» Ça. C'était trop long. Le temps de dire ça, elle s'est esquivée, elle est partie, elle est derrière un rocher.